Alors, ces trois images, qui sont actuellement toutes les trois sélectionnées, on peut les grouper pour que quand on clique avec la flèche noire sur n'importe laquelle d'entre elles, ben, les trois bougent ensemble. Et ça, c'est en faisant objet associé. Objet associé. À partir de là, elles sont entourées par des petits pointillés. Ça indique qu'on a affaire à un groupe. Quand vous cliquez à côté de tout et que vous cliquez sur n'importe laquelle des trois, vous voyez qu'elles s'activent toutes les trois et on peut les bouger. On peut aussi les redimensionner à nouveau. Donc c'est le groupe.